Salut, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de notre initiative appelée le Lab Jeunesse, Canada-Mexique. Je m'appelle Shauna Hemingway et je représente l'ambassade du Canada au Mexique. Nous avons décidé de lancer cette initiative car nous voulons faire de la place aux voix des jeunes, tant mexicaines que canadiennes, au sein de notre ambassade et la relation bilatérale. C'est avec cette idée en tête que nous avons lancé le Lab Jeunesse. Bonjour, Macarena. Bonjour, Jonah. Merci beaucoup de nous parler davantage concernant cette initiative. Pourrais-tu nous dire en quoi consiste l'initiative Lab Jeunesse? Bien sûr, il s'agit d'un programme d'un an au cours duquel des gens de 18 à 29 ans pourront participer à différentes rencontres, débattre des questions d'actualité et présenter leur vision du monde. Nous avons constaté que la pandémie COVID a touché de manière disproportionnée les jeunes, qui ont été privés de nombreuses opportunités. Dans cette optique et en cherchant toujours à promouvoir les relations entre le peuple mexicain et le peuple canadien, nous avons décidé de lancer cette initiative. OK, très bien, Shauna. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions pour toi concernant l'initiative. Est-ce qu'on parle d'une initiative exclusivement en ligne? Oui, ça l'est. En ce moment, on parle de conférences, débats, échanges et cours en ligne car la situation sanitaire dans les deux pays ne permet pas de grandes agglomérations. Pour cette raison, il est important que les personnes qui souhaitent postuler à l'initiative aient une connexion Internet et la possibilité de se connecter à des plateformes telles que Zoom. OK, c'est Zoom parfait. Zoom, Teams et WebEx, excusez-moi. Oh, OK, c'est parfait. Pour ce qui est des conférences et des rencontres virtuelles, à quelle heure qu'elles auront lieu? Eh bien, nous aurons des participants de partout au Mexique et de tout le Canada. Donc, nous parlons de 5 fuseaux horaires différents. Nous allons essayer de varier les jours de la semaine et l'heure à laquelle les réunions virtuelles auront lieu pour garantir que la plupart des participants puissent participer. De plus, nous nous engageons à enregistrer les réunions pour les participants qui ne peuvent pas y assister. OK, c'est excellent. Et combien de temps que les participants doivent prévoir avoir disponible pour participer? Nous demandons aux participants d'être disponibles pendant 5 à 10 heures par mois. Cela variera en fonction des activités chaque mois. Il y aura des cours en ligne, des discussions virtuelles et des conférences via Zoom. Chaque mois aura un thème spécifique et les participants pourront se rencontrer pour discuter ainsi qu'assister à la conférence donnée par des experts du domaine. OK, c'est très bien. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des conditions autres que l'âge et la nationalité pour pouvoir participer? Avec cette initiative, nous voulons atteindre tous les coins des deux pays. Et nous ne voulons pas limiter nos participants ni par genre, ni par éducation ou par tout type de critères. Au contraire, nous voulons avoir un éventail d'expériences et différents domaines d'études car nous croyons que c'est dans cette diversité que réside notre force. De plus, nous recherchons également des participants issus des communautés autochtones et des Premières Nations, car nous attendons avec impatience votre précieuse contribution au programme. C'est excellent. Merci beaucoup. Et concernant la langue, est-ce qu'il y a des exigences? L'un des objectifs du Lab est de promouvoir l'échange d'idées entre les jeunes Mexicains et Canadiennes. Naturellement, pour y parvenir, une communication entre les deux est nécessaire. C'est pour cette raison que nous demandons à ceux qui souhaitent participer au moins au niveau des bases d'une autre langue que la leur entre l'anglais, le français et l'espagnol. Cela nous permettra d'avoir des échanges plus fluides et aussi en échangeant dans une autre langue, cela vous donnera aussi la possibilité de pratiquer. Au terme de l'année d'échange, nous sommes convaincus qu'il vous sera plus facile de communiquer dans une autre langue. Le formulaire de candidature est disponible dans les trois langues officielles.
Cependant, si un participant souhaite envoyer sa vidéo de candidature dans une langue autochtone, nous lui souhaitons la bienvenue. Nous demandons de mettre des légendes pour faciliter la compréhension par notre comité de décision. C'est très bien. Et comment que nous pouvons faire pour postuler? Pour postuler, vous devez répondre à trois exigences. D'abord, enregistrer une vidéo qui ne devrait pas durer plus de 90 secondes et doit répondre à la question « Pourquoi le leadership et la participation des jeunes sont-ils essentiels pour l'avenir? » Des relations bilatérales entre le Canada et le Mexique. Ensuite, vous devez envoyer la vidéo et votre CV par email à lab@commercialcanmex.org. Et vous devez également remplir le formulaire de demande disponible sur notre web canmex.org. Merci beaucoup. Et quand est-ce que les décisions seront prises? Les candidatures sont ouvertes à partir de maintenant jusqu'au 28 février. Ensuite, nous analyserons les candidatures et nous enverrons un appel aux personnes sélectionnées à la fin du mois de mars. Anna, merci beaucoup pour tes réponses à toutes ces questions. Si nous souhaitons avoir plus d'informations, comment que nous pouvons faire? Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site web canmex.org. Si vous ne trouvez pas votre réponse sur la page, vous pouvez également nous écrire à lab@commercialcanmex.org. Enfin, nous vous invitons à suivre nos réseaux sociaux de l'Ambassade du Canada et aussi la mienne, la tienne aussi, Macarena, c'est vrai? Parfait. Alors, on vous invite à nous suivre et restez à l'affût pour plus de nouvelles concernant l'initiative. Merci beaucoup. Merci.